Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau DIY et j'ai décidé de réaliser un nouveau planeur, mais cette fois-ci à partir d'un vieux classeur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais fait précédemment une vidéo sur un planeur à partir d'un cahier à spirale. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez terminé toutes les feuilles du cahier, bah, c'est terminé, le planeur, vous pouvez le jeter. Tandis qu'avec un classeur, vous pouvez rajouter autant de feuilles que vous le souhaitez. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai transformé un vieux classeur en un classeur, en un planeur comme ceci, tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer étape par étape comment est-ce qu'était mon classeur avant et comment est-ce que je l'ai transformé pour en faire un planeur comme ceci. Donc voilà, je vous montrerai toutes les étapes, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec la suite. Voilà à quoi ressemble le classeur avant transformation. Au niveau du format, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est un classeur pour ranger les fiches de révision. A l'aide d'un cutter, je vais enlever la vieille couverture rose qui recouvre tout le classeur. Le classeur maintenant nu, je vais pouvoir le redimensionner pour qu'il ait une forme plus carrée. Donc après, c'est vous faites comme vous le voulez, vous adaptez selon vos envies. Pour ma part, j'ai décidé d'enlever 7 cm de chaque côté. Le classeur est aux dimensions souhaitées, je n'ai plus qu'à le recouvrir. J'ai décidé de recouvrir la couverture avec du papier cadeau que j'ai trouvé chez Action, mais vous pouvez aussi utiliser du tissu ou le peindre même, c'est comme vous le souhaitez. Je vais découper des languettes au niveau des pliures du classeur pour que ça soit plus facile à coller par la suite. Je vous montre rapidement comment est-ce que je colle le papier cadeau à l'intérieur. Après avoir recouvert l'extérieur du classeur avec du papier cadeau, je vais m'occuper de l'intérieur et pour ça j'ai utilisé des feuilles cartonnées noires. J'ai décidé de recouvrir mon classeur avec un film adhésif transparent pour le protéger, mais après réflexion, il vaut mieux mettre le film transparent avant de mettre l'intérieur noir. Car comme vous le voyez, le film transparent à l'intérieur se voit, ça ne fait pas très joli, du coup je vais devoir recouvrir ça pour que ça ne se voit plus. Je vais maintenant créer des pochettes intérieures que je vais pouvoir coller à l'intérieur du classeur sur les deux faces. J'ai découpé un rectangle noir de 16,5 cm sur 15 cm que je vais coller à l'intérieur de mon classeur et par-dessus je vais superposer un rectangle de 10 cm sur 15, donc en comptant 1 cm de languette. Vous allez voir qu'après les languettes, je vais les rabattre sur le dessous du rectangle pour former une pochette, donc je pense qu'à l'image ça sera mieux pour les explications. J'ai découpé un angle pour que ce soit plus joli, mais vous faites comme vous voulez, vous pouvez également créer plusieurs pochettes. Je viens maintenant coller ma pochette sur l'une des faces du classeur. Je vais maintenant créer la pochette pour l'autre face et vous voyez que je repars avec le même principe de languette pour la création de la pochette. Donc je vous laisse voir les images. L'habillage de mon classeur est terminé, je n'ai plus qu'à le personnaliser et à le remplir.
Pour réaliser les intercalaires, je vais utiliser des feuilles qui viennent de ce bloc à papier de chez Action. Je pense que si vous suivez mes DIY en ce moment, vous devez à chaque fois voir ces blocs. Je ne souhaite que 4 intercalaires, donc j'ai découpé 4 rectangles de 15,5 cm sur 15 cm. Je prends des mesures avec mon classeur pour savoir où est-ce que je vais perforer. J'utilise une simple perforatrice à 2 trous achetée chez Action. Pour former mes intercalaires, je vais diviser la longueur en 4. Je n'ai pas les mots pour tout vous expliquer, mais je pense que les images vont bien vous aider. L'étape des intercalaires est maintenant terminée, c'était super facile à faire. Pour écrire dans mon planeur, je vais utiliser des fiches Bristol. C'est très pratique parce qu'elles sont déjà perforées et qu'en plus il y a des carreaux dessus. Donc moi j'ai pris la version plus large. Bien entendu, on va devoir les redimensionner, donc je viens découper de sorte à ce qu'on ne voit pas la fiche Bristol quand elle est entre les intercalaires. Si vous voulez fermer le planeur, vous pouvez utiliser un ruban que vous allez nouer et ensuite que vous faites glisser pour l'enlever. Je vous montre rapidement quelques exemples de ce que vous pouvez faire dans votre planeur. On commence avec l'intercalaire agenda, donc là j'ai noté tous les mois de l'année détaillés pour pouvoir se repérer. Donc je suis allée que jusqu'à septembre, de l'autre côté en fait vous allez pouvoir noter les mois qui restent. J'ai fait le calendrier mensuel du mois de février très simplement, donc sous forme de tableau. Voici un exemple de fiche semainier que vous pouvez faire. On passe maintenant à l'intercalaire to-do list où je vous montre deux exemples. Le troisième intercalaire est pour les notes et je vous ai mis un exemple de ce que vous pouvez faire pour noter les séries que vous êtes en train de regarder. J'ai trouvé le modèle sur Pinterest et j'ai vraiment aimé l'illustration. J'ai réalisé une petite fiche pour noter tous les livres que l'on veut lire. Ainsi qu'une fiche pour ne pas oublier ses pseudos et ses mots de passe. Encore une fois, ce sont des exemples, n'hésitez pas à aller sur internet, vous allez vraiment trouver beaucoup d'inspiration. En dernier intercalaire, j'ai mis le répertoire parce que je n'en avais pas présenté dans mon précédent planeur. Pour le réaliser, j'ai tout simplement découpé 26 fiches Bristol en laissant une petite languette à chaque fois pour pouvoir noter la lettre. Et on retrouve à la fin la pochette que j'avais réalisée en début de vidéo. J'espère que le DIY sur ce planeur vous aura plu. Si jamais vous le reproduisez, n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux sociaux. J'ai Facebook et Instagram. Ça me ferait vraiment très plaisir de voir ce que vous avez fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.